Salut amis soccers et bienvenue à la journée d'ouverture de l'Euro 2016. Nous sommes à Lille, à l'Esplanade François Mitterrand. Je suis très heureux et trop content de vous retrouver après tant de mois d'absence sur YouTube. Il fallait que je revienne et en force. J'espère que cet Euro 2016, qui est donc notre rendez-vous français, peut être aussi à la fois mon grand retour sur YouTube. Une nouvelle fois de plus dans cette vidéo, on va prendre la température avec les supporters français en leur demandant quel bilan peut-on tirer après la Coupe du Monde 2014 jusqu'à aujourd'hui. L'effectif des 23, les réponses, c'est maintenant. Je pense qu'on a plus évolué offensivement que défensivement. On a pris pas mal de talent. Coman, Martial, l'éclosion de Griezmann avec l'Atletico. Pogba qui prend de l'importance. Je pense que ça peut le faire pour Sané. On sait jamais, on verra bien. Après on peut dire l'équipe de France est beaucoup plus aimée. À mesure des temps avec les joueurs, beaucoup de progrès au niveau de certains joueurs comme Coman, des progrès au niveau de sa carrière. Il y a peut-être un petit souci en défense parce que Varane on comptait quand même dessus, mais je pense qu'on va le faire et que c'est positif, on va aller plus loin, on va en finale au moins. Bah, je pense que c'est un bilan plutôt positif. 2014, l'équipe était assez jeune. Maintenant, elle a gagné en maturité, elle a gagné en sélection. Bon, c'est vrai que sur la défense, on a été décimé juste avant la sélection. Mais j'y crois, car il y a une attaque de feu. Giroud qui remet à Griezmann et Payet, c'est le top. En Europe, il n'y a pas mieux. Au niveau du milieu de terrain, je dois dire que la blessure de la semaine Diarra est assez positive, car ça va faire émerger N'Golo Kanté, je dis bien N'Golo Kanté, pas le N, ainsi que Paul Pogba qui va prendre ses responsabilités et Matuidi qui va faire le travail habituel. Pour moi, déjà Valbuena et Benzema, ils ont mérité leur absence et on pourra très bien se débrouiller sans eux. Par contre, le problème c'est Sako et Varane, ça va faire mal de les avoir. C'est difficile de se passer de Benzema qui est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, voire du monde. Maintenant, je pense que voilà, c'est. Bon, alors chacun a son avis, c'est un débat qui peut être long. Maintenant, je pense qu'on n'a pas forcément. On n'a pas un effectif de moins bonne qualité. Maintenant, voilà, Deschamps, il fait son groupe en fonction de ce qu'a. Voilà, une compétition comme ça, c'est pendant un mois, donc ça dure longtemps, il faut que les gars vivent ensemble. Donc c'est lui qui est le mieux placé pour savoir s'il doit les prendre ou pas. Qualitativement, c'est peut-être un bémol, mais bon, je pense qu'on a quand même une équipe pour tenir la route. Et puis pour Valbuena, malheureusement, c'est un pilier d'équipe de France, mais il ne fait pas une bonne saison. Donc c'est difficile de le prendre, mais c'est un peu une victime collatérale de l'affaire. Voilà. Honnêtement, moi, l'effectif des 23, je l'apprécie énormément, mais c'est vrai que le fait de ne pas prendre Ben Arfa, ça, c'est incompréhensible. C'est avec la saison qu'il fait, quand tu vois que l'année prochaine, il est peut-être à Barça, ça, c'est incompréhensible. Enfin, honnêtement, je comprends pas que Ben Arfa ne soit pas là. Moi, je pense que l'attaque, elle est déjà bonne avec Martial, Coman, Payet, Griezmann. Malheureusement pour Ben Arfa, je pense qu'il a explosé trop tôt. Il serait là 2 ans avant, il serait présent dans le groupe, mais là, les places étaient déjà prises. Et enfin, petite question bonus, peut-on voir Zinedine Zidane un jour à la tête de l'équipe de France? Dans 5-6 ans, je pense que c'est possible. Parce que Deschamps, je pense qu'il va se souffler. Et l'effectif, déjà, il y a beaucoup de contestations de l'effectif qui a pris. Genre Giroud, Gignac, à part de Ben Arfa. Donc je pense que dans 5-6 ans, il y a une grande possibilité. Ouais. On espère. Bah, d'abord, il fait ce qu'il fait avec le Real Madrid. Il apprend, et après peut-être un jour, je sais pas. C'est vrai que bon. Je pense qu'il est dans les deux entraîneurs dans toute l'histoire du foot, avoir fait la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et s'il peut venir avec l'équipe de France et gagner tous ces trophées, ce serait magnifique. En tout cas, on l'espère, peut-être pour 2020, parce que Dédé a signé jusqu'en 2020. Bah, je pense qu'on espère tous l'avoir. Hein. Ça serait beau. Et
Et voilà, on va se quitter sur la sortie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être spéciale Euro 2016. Laissez un petit like, lâchez un petit commentaire, ça ne vous coûtera absolument rien. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre après cet un mois d'absence. Je vous fais de gros bisous, passez un très bon Euro et allez les Bleus !